Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur The Crew 2 pour toutes les nouveautés de la semaine. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas le petit like et vous abonner si ce n'est toujours pas fait, car vous êtes plus nombreux à ne pas être abonné et à regarder mes vidéos que être abonné et regarder mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça soutient la chaîne et c'est gratuit. Alors, pour commencer, les nouveautés de cette semaine, on va regarder les défis des hobbies. Alors, hobbies, les petits défis hebdomadaires. On a 5. On peut voir qu'on a atteint la vitesse cible avec une Chevrolet Corvette. On a une seule étape, battre le score du rival de défi slalom avec le DCBM 31, conduire en off-road une Ruff 3400K Rally Raid en freeride, terminer les 9 activités de summit, équiper une Nitro sur une Porsche 935 coupée de 1977 Touring Car. Du coup, voilà pour les petits défis des hobbies. On passe tout de suite à la boutique de vanité. On va voir ce qu'il y a de beau. Alors, toujours le même pack ici avec la Chevrolet. Donc celui-là, je voulais montrer et remontrer. On a un pack Human Nosebowl avec à l'intérieur la Chevrolet Corvette que j'ai déjà, la Porsche 935 2.0. Le DCBM 31, le Ruff et la Bugatti Panigale R. Voilà pour ce pack. On a un pack Vitamine Bundle avec à l'intérieur la KTM 1290 Super Duke et une fumée orange et un LED orange. On a un Vanity Pack avec un petit klaxon d'éléphant, deux klaxons, le clown, des pneus tropicales et du nitro étoile de la liberté. Nous avons, c'est tout pour ça, nous avons la boutique avec le nitro foudre verte. Ça va, qui est assez stylé, je trouve. Plutôt joli. On a aussi une émote MDR qui a l'air très stylée. Voilà, MDR. Très jolie émote. Du coup, on a aussi la fumée Grovy qui faisait retour, le nitro vert, les pneus Coma, le nitro rose, et c'est tout pour la boutique de vanité. Alors on va directement passer au summit. Alors pour ce summit, Human Nosebowl, sur le site de The Crew 2, ils nous disent: vous êtes prêt à devenir le Human Nosebowl? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Repousser les limites de vos véhicules et tenter de décrocher la première place des classements. Du coup, en platine, on aura un Nitro G vert en or, des pneus Buchimura rouge en argent, des pièces pour la Chevrolet Corvette Street Grey et 300 000 followers. La semaine prochaine, du coup, on aura en platine l'Underglow Fast Wagon, en or la Dodge Challenger, la pièce légendaire en argent et 300 000 followers. Et voici des épreuves de la semaine prochaine avec du Rallycross avec la Fairlady, Street Race avec la Camaro, une autre Street Race avec la Beatles. Rally Raid avec la Camaro RS, éclat de bouée, basse altitude, fouette avec aucune restriction, la Street Race avec la Mustang Boss,
qui arrive la semaine prochaine. La Mustang Bus et Touring Car avec la 365 GTB4. Voilà. Du coup, le 26 au 2 septembre, le Flashy 80 avec la DeLorean et du 2 au 9 septembre à World of Car. Et Rust and Dust juste après. Et cette semaine-ci, nous avons du coup un radar, une fouette et une basse altitude avec aucune restriction. Motocross de même avec aucune restriction. La Drag Race avec la Corvette Stingray. La Touring Car avec la 935 avec 2.0 coupé. Touring Car avec la Panigale R. Du Rally Raid avec la 3400K. Et de Powerboat avec le M31. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés de cette semaine. Un grand GG à tous ceux qui sont déterminés platine cette semaine-ci. Je vous souhaite bonne chance pour cette semaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, le commentaire et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Jabello. À la prochaine.